Si on se fait des petites étagères sur le radeau, il y a moyen qu'on ramène pas mal de trucs. Regardez-moi ça. Je vous ai dit qu'il allait avoir des petites cavernes à explorer. Je viens de trouver une petite cache au trésor, là. Oh, mais regardez-moi ça, les mecs. Tu vas voir, je te présenterai Marie-Madeleine, va. Oh, elle est pas vilaine. Tu vas bien t'entendre avec. Donc, bah c'est ça, mon gars. Vas-y, casse tout ce que j'ai fait, enfoiré, va. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai fait un petit peu de travail hors caméra. Donc pas grand chose, j'ai juste décimé quelques arbres, comme vous le voyez. D'ailleurs, faut que je fasse un petit peu de ménage. Hein. Bon, c'est un petit peu le bordel sur mon île, mais déjà, ce n'est pas mon île. Non. Nous, on ne va pas s'arrêter là. Je vais répondre à quelques commentaires, bien sûr, qui m'ont été posés sous la vidéo. Alors, on m'a proposé de me poser sur une île, de faire une petite cabane et d'aller visiter les îles aux alentours, mais toujours de revenir à un point central, c'est-à-dire le QG. Il y a moyen qu'on fasse ça, je ne sais pas encore, mais pour le moment, j'ai pas eu un gros coup de cœur sur une île. C'est clair que j'ai pas envie de m'installer ici. Oui, c'est bien elle, les mecs. C'est bien elle. Je crois bien, hein. Elle m'a l'air bien gracieuse, en tout cas. Autre petit point que nous allons aborder ensemble, c'est-à-dire que la dernière fois, souvenez-vous, on est passé par cette île. Donc, on est passé très vite fait. On a visité les extérieurs. Donc, souvenez-vous, je trouvais pas beaucoup de ressources, tout ça. Je me suis dit, on va vite tracer vers une autre île, c'est-à-dire celle-ci. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Le mec, il a pas pu se faire chier à construire une île comme ça avec un rocher en plein milieu et de la plage autour. C'est tout, c'est fini, crac. Non, je pense pas que ça se passait comme ça. En fait, j'ai relu la description de l'île. Et comme je vous l'ai dit, sur plein d'îles, on va avoir des secrets à trouver, des missions à faire. Et donc, sur celle-ci, il y a un secret à trouver. Et il se trouve qu'il y a de la vie en plein milieu de l'île. Il y a une espèce de jungle à trouver, une fontaine de jouvence, que dis-je. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être ça l'objectif. On va retourner sur cette île. Mais avant de retourner sur cette île, nous allons agrandir le radeau. Et je vous rappelle que nous n'avons pas fini d'explorer cette île. Ouh, il y a une tempête qui approche. J'ai de la corde, j'ai des bâtons, j'ai ce qu'il faut. Par contre, voilà, c'était sûr, on va se taper une tempête. Alors, je me suis soigné entre-temps. Voilà, comme vous le voyez, ça va plutôt bien. Bon, j'ai un peu soif, mais on a des rations, on a tout ce qu'il faut, ça, je m'en soucie même pas. Il va nous falloir un marteau. En tout cas, vraiment, merci à tous et à toutes pour vos retours sous la vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai vu que le deuxième épisode, vous avez peut-être un petit peu moins plu que le premier. Pourtant, je trouve qu'on a fait même plus de choses dans le deuxième que dans le premier. En tout cas, j'espère que celui-ci va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous me faites péter les likes pour me montrer que vous êtes là, que vous soutenez, que vous voulez suivre l'aventure. Et n'oubliez pas le petit partage sur les réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous si la chaîne peut grandir. Toujours le petit lien G2A pour acheter Strand Adip ou un autre jeu moins cher. Tout est dans la description avec le petit code Jolat. On a un marteau, c'est cool. Je pense qu'il va falloir qu'on se fasse une ancre aussi. D'ailleurs, je me ferai bien ça maintenant. Donc, 4 cordes, un bâton, 6 pierres. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Aussi, prochainement, il y a quelques vidéos exceptionnelles qui vont être postées sur la chaîne. Bah, comme toutes les vidéos que je vous propose, en fait. Non, ma tête est de taille optimale. Alors, rien à voir avec Strand Adip, rien à voir avec le game, rien à voir avec la survie. On va tester des petits bolides sur la chaîne. Mais je vous jure que j'ai hâte de tester ça et hâte de vous faire partager ça. Ça va être énorme, les mecs. Énorme. Je ne vous spoil pas plus. Ça va être des vidéos IRL. Ouh, regardez ça. Après la pluie, le beau temps. Et bah voilà, c'est exactement ça qu'il me fallait, tiens. Et voilà qui est fait. Déjà, une encre. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire ça. Et on peut faire ça. Voilà, c'est plutôt cool, non? Alors, pour répondre à quelques commentaires qui m'ont été posés dans l'espace prévu pour, d'ailleurs, je vous invite à en laisser un petit sur cette vidéo. On m'a demandé de construire des ateliers sur le radeau, de mettre des huttes sur le radeau, donc... C'est vrai que, je le répète à chaque fois les mecs, mais Strand Adip, c'est pas raft malheureusement. On peut pas tout construire sur le radeau. Je peux pas poser un lit sur le radeau, je peux pas poser une hutte, je peux pas poser des ateliers de tannerie et tout. C'est pas possible ça. Le lit, on va dire que je peux le poser entre parenthèses, hein. C'est-à-dire que je peux le faire tenir grâce à un espèce de glitch en faisant un trou au milieu du radeau ou quoi, pour pas qu'il s'envole un petit peu trop loin. Mais je peux pas l'ancrer sur le radeau, c'est pas possible. À part les meubles pour les coffres, voilà, il y a que ça vraiment qu'on peut ancrer. Et éventuellement des lumières avec des petits poteaux, les voiles, voyez, voilà, tout ce qui concerne un petit peu le bateau. Oui, et je dois trouver de l'eau? Oui, ça va, je vais boire. Ça va. Ok, hop, on va agrandir un petit peu tout ça les mecs. Parce que ça me plaît pas beaucoup, vous voyez. Alors aussi, vous m'avez dit que vous voyez pas grand chose la nuit. Je suis d'accord avec vous, hein. Moi-même je vois pas spécialement grand chose. Mais on va essayer de remédier à ça. C'est-à-dire que je vais tenter de me balader le plus possible avec une lampe torche à la main. Quand ça fera nuit, bien entendu. Alors avant de repartir sur l'autre île, qu'on a déjà visité, donc celle où on a visité les extérieurs, on va finir de visiter celle-ci. Parce qu'on l'a pas bien visité. Il y a des épaves à fouiller,
Il y a, voilà, il y a plein de trucs à faire, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire tout de fond en comble. J'ai pas envie de laisser des trucs à côté. On va faire les choses bien. Juste, attends, hop, ouais, c'est vrai, j'ai soif. J'avais oublié ce détail. Hop, on va manger une ration. Et ben voilà, ça va mieux. On va aller dormir, au moins il fera jour un petit peu plus vite. Je vous dis bonne nuit tout le monde, et à demain. Ah, mais regardez-moi ça, il fait encore nuit. Il est 5h30, ça va bientôt faire jour. Donc, j'ai combien de planches dans mon inventaire? Ça va, j'en ai pas mal. Ok, ça c'est parfait. Voyez, il y a des trucs à visiter là-bas. Hein. Oh là là, le lever de soleil, c'est magnifique, vraiment. Il y a Marie-Madeleine à retrouver, faut qu'on aille visiter l'île de l'autre côté. Enfin, un épisode chargé, vraiment, très chargé en émotions. Ainsi qu'en choses à faire, surtout en émotions. Oh oui, 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 il va y avoir beaucoup d'émotion. Je sens la première touche émotive arriver dans pas longtemps. Oui, viens ma jolie. Oui, tais-toi mon cochon, tais-toi, tais-toi. Tout à l'heure, toi, tout à l'heure. Oui, c'est super ça ma belle. Ah, j'ai cassé ma branche. C'est pas grave, on va l'avoir, vous inquiétez pas. Ce n'est que partie remise. Oui, oui mon cochon, oui, 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 oui. T'inquiète pas, va. Toi aussi tu vas passer à la casserole. Ça va être ton heure bientôt. Quelle heure? 7h13, ça va, il est pas tard, il y a le temps encore. Et voilà, impeccable, il m'en restera juste ici. Aujourd'hui vraiment c'est amélioration du radeau, finissage de visitage de cet îlage. Et après c'est parti pour d'autres aventures en face, c'est-à-dire de là d'où on vient en fait. Alors autre petit point que je voulais aborder avec vous aussi, c'est que la dernière fois, je vous avais fait part de faire un petit dessin sur une feuille, histoire de voir à quelles îles j'ai visité, quelles îles j'ai pas visité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué. Mais vraiment trop compliqué. Sur papier, ça avait l'air ultra simple, dit comme ça, mais en fait, non, pas du tout. Donc on va y aller un petit peu à l'aveugle, et puis au moins, voilà, on n'est pas spoilé, c'est de la découverte. On découvre tout ça tous ensemble. On va prendre les lanternes. Et des lanternes, c'est pareil, j'en ai pas mal. J'en ai encore dans les coffres et tout. Donc ça, de la lumière, on va pas en manquer. Tiens, hop, j'en ai même encore une là. J'en ai partout, de toute façon, des lanternes. J'en ai même au bout de l'île, je crois bien. Tiens, une hache. Voilà, hop. Si je fais ça, crac, ça c'est pas mal. C'est histoire qu'il y a un petit peu de lumière, vous voyez. Alors oui, effectivement, c'est vrai, j'ai une étiqueteuse pour renommer mes coffres, tout ça, tout ça. Je ne l'ai pas encore fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le bordel dans mes coffres, je l'avoue aussi. Ça, ici, et ça, ici. Et ben voilà, mon gars. J'aurai les plafards pour la nuit, là. Tu vois? Ça, là, et ça, là. Regardez, là, le radeau, il commence à prendre de la gueule, tout doucement. C'est le bordel. Mon inventaire, c'est pire que le sac à main d'une meuf, quoi. Mon Dieu, je sais pas si ça va pas, c'est ce que j'ai dit. Pardonnez-moi, mesdames. Vous êtes absolument bien organisés. Peut-être même mieux que moi. Quoique. Là, vraiment, les mecs, ça commence vraiment à prendre de la gueule. Alors, oui, je sais, j'ai toujours pas étiqueté mes coffres, je sais. Je suis actuellement en plein rangement, comme vous pouvez le voir. Marteau, là, je sais pas ce que je fous avec tout ça, franchement. Je devrais me débarrasser de certains trucs, mais... Oui, 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 je vais étiqueter les coffres, les mecs. Voilà, bah tiens, je vais déjà étiqueter celui-là. Ici, ce sera les étiqueteuses. Voilà, avec un S. Parce que j'en ai plusieurs. Et voilà les mecs. Voilà, j'ai déjà un coffre d'étiqueté. C'est pas mal. Au moins, je sais où sont les étiqueteuses pour étiqueter mes coffres. Le reste, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Voilà. Et j'ai fait un peu de tri là quand même. Hein. Lui. Qu'est-ce qu'on va en faire de toi? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon cochon? T'inquiète pas. Toi aussi, t'as ta place sur le radeau. Allez, monte. Voilà. Mon vieux ce cochon, il est petit mais pas léger, hein. Alors, c'est bien parce que maintenant on peut voir le radeau de loin. Ça, c'est cool déjà. Voilà, et hop, on peut se faire un lit, c'est nickel. On peut dormir ici, c'est nickel. Allez, bonne nuit. Ah, et on se réveille au petit matin avec un très beau lever de soleil et une très belle épave à visiter là-bas. C'est plutôt cool. Oh, mon cochon, t'as pas eu froid cette nuit? Tiens, tu veux pas que je te borde non plus, non? Ouh, regardez ce que j'ai laissé là-bas. Oh, regardez ce que j'ai laissé là-bas. Bon, je vous rappelle qu'on n'a pas fini de visiter l'île, les mecs. Je pense qu'on va aller commencer peut-être par l'épave. On y est, on y arrive. Pas de requin à l'horizon, écoutez. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir encore agrandir le radeau. Donc ça, c'est cool. Et très certainement trouver d'autres coffres. Allez, vas-y, grimpe. Putain, mon vieux. C'était dur de le faire grimper, hein. Oh, je prends. Oh, je prends. C'est tout? On redescend. On prend pas plus de risques que ça. Ouh, que c'est haut, que c'est haut, que c'est haut. Ouh, que c'est quoi là-bas? Regardez. Je vous ai dit, les mecs, on n'a pas fini de la visiter, cette île. Hein. On a deux îles à visiter aujourd'hui, donc ça risque d'être un épisode peut-être un petit peu plus long. J'espère que ça ne vous déplaira pas. En tout cas, ah, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié mon sabre. C'est pas grave. Peut-être que je vais en trouver un ici.
serait tellement cool. Il y a une porte sur le côté, un casier. Ok, je prends. Ouais, une torche. Pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, je pense qu'on va descendre. J'aurais dû ramener ma bouteille d'oxygène. Que je n'ai pas, d'ailleurs. Attends, putain, mon vieux. Je retiens toujours ma respiration quand je descends comme ça. On a des casiers, là. Oh, bah tiens. Une bouteille d'oxygène. Des pièces de moteur. Ok. Mon inventaire est déjà blindé. Génial. Oh. Vite. Ah bah il m'a fait monter lui mon gars. Hein, ça va, ça va. Par contre on a soif. Eh bah écoutez. Eh bah écoutez c'est la merde. Je retournerai bien sur la plage à mon radeau là-bas. Je sais pas si je vais avoir le temps. Je tente. Allez, c'est parti. Oh j'ai fait le fou. Oh! Oh la faille! Oh gros, laisse-moi gros. Tu me laisses gros. Vite. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le cochon voler mon vieux. D'accord, ça va, je vais bien. J'ai plus de place dans mes coffres quoi. Écoutez, je vais les mettre avec les titeuses. Hein. Voilà, par contre, je vais prendre ma machette. On va manger une ration. Deux rations, c'est la fête, tiens. Voilà. Je vais t'en prendre la place, mon salaud. Allez, reste donc par là. On trouvera un autre. Allez, hop. On jette l'ancre et on y retourne. C'est pas par ici que je voulais aller. Hop. Voilà, c'est bon. Ok. On a la lampe. C'est parfait. On va descendre un peu plus. Ça a l'air vachement profond. Hein. Un coffre. Je regarderai ce qu'il y a dedans plus tard. Ça a l'air très profond, les mecs. Hein. Une raie. Une porte. Ok. On continue. On va casser ça. Je retiens toujours ma respiration. Hein. Dans ces cas-là. Un coffre. Ok. Ok, il me reste encore de l'oxygène. Allez, on continue. Merde. J'ai combien dans ma bouteille? Plus beaucoup. Ok, ok. Je vais... Je suis perdu, les mecs. Je... Un coffre. Je suis perdu. On va remonter. Je me suis perdu. Je me suis perdu, clairement. Ce navire est beaucoup trop grand. Ok. Bon, ok, d'accord. Bon, c'est stuffé. Ouais, et encore, je suis sûr que j'ai pas tout fouillé, hein, parce qu'il a l'air énorme, ce navire. On va ranger ça ici. Il y a quoi là-dedans? De la corde. C'est la folie. J'ai plus de place, les mecs. Vous voulez que je range ça où, moi? Attendez, j'avais des planches. Putain, temps. Alors, où est-ce que je les ai mises? J'en sais rien. Il aurait fallu que j'étiquette mes coffres. Le mec qui en rajoute une couche. Voilà. Impeccable. Ça, hop. Voilà. Bon, ça va pas très bien ensemble, hein, mais... Mais je crois que ça fera l'affaire, hein. Voilà. Par contre, ce que j'aurais aimé faire, c'est... regardez, il y a encore des trucs à voir ici. C'est aller visiter ce qu'il y avait en haut de l'île. Ça, j'y ai pas été, les mecs. On va aller voir ça. Il commence à être chiant à diriger le radeau, là. C'est un peu chaud, hein. Va falloir qu'on se pose sur une île. Faut qu'on trouve une île, mais j'ai pas encore eu le coup de cœur. Voyez, ça manque cette petite étincelle. Regardez, regardez, il y a une cabane encore derrière là. Je pense qu'on va retourner en haut de la cabane et on va aller faire le tour de cette île. Ouais, c'est sûr qu'on a zappé des trucs. Notre inventaire est vide, c'est parfait. Si on peut ramener des coffres vides, ce serait plutôt arrangeant. En plus, on y va en pleine nuit. Bon, on a la torche.
Il y avait un endroit où monter ici. On va y aller tranquillement, les mecs. Histoire de pas se péter une jambe. Ok, vous voyez, on a... Oh là, je vois rien. Oh là. On a dû zapper des trucs, clairement. Non, j'en ferai rien, ça. Quoique, donne-moi ça. Ça peut... voilà. Si ça peut me faire de la lumière, pourquoi pas. Voilà. Hop, j'en aurais plus besoin. On est bien, là, non? Ok. Ah, ha, 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 ha. Regardez ça, regardez ça. Encore heureux que je continue à faire le tour. Une échelle. Bon, visiblement, rien ne sert d'y descendre. Par contre, peut-être qu'on va trouver encore quelque chose d'intéressant. Ouh, oui, regardez, on peut même encore monter en haut. Alors, attendez. Oh, oui. Il y a encore des portes et tout. On va pouvoir monter encore plus haut. Ah, ben voilà. Du cuir. De l'essence. Un filtre. Allez. C'est indécis, quoi. Finalement, j'ai tout pris. Pour l'instant, on va monter encore. On monte tout en haut. Voilà, là on est vraiment tout en haut, les mecs. Peut-être qu'il y a un secret à trouver, quelque chose. Je vais juste m'éclater les deux jambes, quoi. Je vais juste m'éclater les deux jambes. Allez, les mecs, c'est le grand saut. Yes! Oh! Oh gros, il y avait de l'eau! Il y avait pas assez d'eau! Mais t'es sérieux? Je m'en fous, je vais faire une attelle, les mecs. Putain. Merde! Ah ouais, il n'y avait pas assez d'eau! Oh, dur! Dur, 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 dur! Oh, c'est pas grave! On va rentrer au radeau en boitant, comme ceci. Et on va aller sur une petite attelle. Hein. Ça va, les mecs, ça va. Tout va bien, on s'est remis bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la route et on va aller sur l'île là-bas. Quelle heure est-il? 23h39. Bon, écoutez... C'est la bonne heure. Peut-être que bientôt, on va avoir le coup de cœur pour se poser sur une île. Mais pas pour le moment. On va aller sur l'île en face. Alors, c'est l'île qu'on a déjà visitée. Donc, juste d'extérieur. Mais par contre, comme je vous le dis, j'ai lu la description de l'île et tout. Et il y a un passage secret à trouver. Il y a un secret au milieu de l'île, en fait. Un petit peu comme l'île qu'on vient de visiter. Avec les petites cavernes à découvrir et tout. Alors, ça risque d'être tendu. Mais ça va le faire. Je dépose une cabane sur toutes les îles qu'on visite. Donc, forcément, sur celle-ci, il y en aura une. Parce qu'on y a déjà mis les pieds. Regardez-moi ça, comment qu'elle est glauque, celle-ci, en pleine nuit, là. Voilà, on va grailler une petite ration. Et puis, on va dormir, tout simplement. Hein. Regardez ça, il y a encore mon premier radeau de sauvetage qui est resté ici. On va dormir. Alors, j'ai mon lit dans le radeau. Hein, et on se retrouve demain matin. Bonne nuit, tout le monde. Ah, ben, on se réveille, il est 5h30. Comme tous les matins, à 5h30. Et du coup, il risque de faire jour dans pas très longtemps. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, ce qu'on va faire, le temps que le jour se lève, je vais déposer des trucs dans les coffres et c'est y part. Ok, donc du coup, on aurait un passage secret à découvrir pour aller au milieu de l'île, en fait. Donc, un passage secret ou pas, peut-être quelque chose que j'ai pas vu, regardez. Ça a pas l'air si secret que ça. Ça se trouve, c'est pas ça. Oh, salut mon joli. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Faut pas trop qu'on court comme des gorées non plus. Parce qu'à part se faire piquer par un serpent, c'est tout ce qu'on va gagner. Il faut qu'on trouve cette fameuse entrée. Hein. Regardez. Non, non, non. Je pense pas que ce soit là. Ouh. Ah oui, c'est vrai. Putain, le père tourteau, quoi. Oh, il est énorme. Putain, les mecs, c'est pas possible. Regardez, je fais le tour. Ou alors, ça se passe sous l'eau. Ça se passe certainement sous l'eau. Qu'il y ait une caverne sous-marine à découvrir. À moins que j'ai loupé quelque chose ici. Oh, attendez. Oh, regardez. Regardez ça. Je crois que j'ai trouvé le fameux passage secret. Ou pas. Si. Attendez. On va y aller tout doucement. Voilà. Hop, tranquille. Oh. C'est quoi ça? Ferraille brique? Je prends des briques en argile rudimentaire peuvent servir à la fabrication ou à la construction. Yes! Je prends, je prends. Ça se stack par combien? Par 4, peut-être plus. Ok, il y a de l'argile ici.
Ouais, je vois. Je vois, je vois. Il m'aurait fallu une pioche, deux outils, deux cuirs, un bâton. Je pourrais la faire en plus. Ouais, parce que je pense qu'il y a quelque chose à voir ici. Donc, on va retourner au radeau. Alors, attends voir. Normalement, déjà, hop. Ok. Impeccable. On y retourne. Et ben voilà. Alors, maintenant, ça se trouve, il n'y a rien du tout derrière. Hein. Peut-être que j'hallucine complet ou pas. On va voir. Là, impeccable. Donc, putain, j'aurais dû déposer des trucs au radeau. Ok. Ah bah nickel, rocher, ça aussi ça se casse. Ouais oui ça se casse ça. Vous voyez, heureusement quand même qu'on y est retourné quoi. Sinon je serais passé à côté de plein de trucs en fait. Ouf, j'ai cru que j'étais bloqué. Donc. Alors. Ok. Attends. Avant d'aller là-bas. Je vais vérifier. Il n'y a rien par ici. On a une faille ici dans la roche. On va explorer de suite en faisant gaffe au serpent. Oh, oh. Ah bah ça c'est pas mal, tiens. Une lanterne. Bon, même si j'en ai déjà. S'il nous donne une bouteille de gaz et une lanterne, c'est qu'on va se retrouver dans le noir. Et on va avoir besoin de ça. Par contre... Je vais me débarrasser de... Dur. Je vais me débarrasser de ça déjà. Voilà. Ça fera un petit peu de place dans mon inventaire. Juste, j'ai perdu ma lampe de poche. C'est pas grave. C'est pas grave. J'en ai d'autres. Ah ouais. Ah oui. Ok, d'accord. Oh gros. J'espère que je peux le casser avec la pioche. Ouais, yes. Ouais. Bah, mon gars, c'est bien la misère. Allez gros. Putain, tu peux passer là. Non? Voilà. Ah bah nickel. Quand même. Ouh. Ok, un marlin. Ouh. On est où là? Ok. Ouais. Oh, un navire. Une épave à visiter. D'accord. Ouais, j'ai l'impression... D'accord. J'ai l'impression qu'on est au milieu de l'île, les mecs. On est carrément en plein milieu de l'île. Ouais, c'est sympa, mais c'était chaud pour arriver jusqu'ici. Hein. Ah ouais, putain, c'est un tourteau, mon gars. Il est énorme. Oh, il y a encore une cavité ici. À explorer. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Et on atterrit encore autre part. Ok. Ouais, je vous dis franchement... Elle va être ultra chaude, cette aventure. Ultra chaude. Attendez, faut que je retrouve... Voilà, c'était là. Hop, on va passer l'autre côté pour le moment. Voilà, on était là. Ça, à mon avis, ce sera pour la sortie. Une fois qu'on aura visité l'épave. Logiquement, je pense pas qu'il y ait un requin, quand même. Quoique... On sait jamais. Hein. Je sais pas si vous avez vu le film. 47 mètres down. Il y a un requin coincé dans les grottes. Oh, pas le poisson rascasse. Non, ça c'est pire que les requins, ça. Oh. J'entends comme un espadon. Elle est où cette épave là? Oh là 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 là. Je sens que je vais me foutre en l'air, moi. Pour rien du tout. Je sens que ça va mal se passer. Ok. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai trouvé le navire. Il est assez profond, donc on est parti. Ok. Il y a peut-être des bons trucs à... C'est tout ? Ok. Ah ok, d'accord.
descendre un peu plus bas. Pas de coffre. C'est vrai que comme je vous disais, il y a quand même beaucoup de loot hein, sur les îles custom. Hein. Beaucoup. En fait, tout dépend, tout va dépendre de la générosité de celui qui a fait l'île, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu te dis que bon. Ouh. Quand tu te dis quand même qu'il y a des îles où il y a des trésors à trouver, des missions à faire, c'est normal qu'en fin de compte, il y ait la récompense à la clé, tu vois. Donc c'est normal en fait qu'il y ait beaucoup de loot par moment. Ok. Bon, je sais, on voit rien. Je sais les mecs, hein. Moi aussi, je ne vois rien du tout, je vous assure, je tape dans le vide. Je vois juste le mot argile et on va remonter. On va tenter d'aller voir ce qui s'y cache. Très certainement un naufragé. Ok. D'accord. C'est tous les mecs. Je vais juste rester coincé là-dedans, moi. Ok. Ok. Les mecs ! Oh putain ! Oh la pression ! Je suis perdu. Je suis perdu, gros. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Il y a un radeau de sauvetage. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai visité l'île. Ok. Ça va. C'est bon. C'est bon. Ok. D'accord. Ça va. Non, 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 non. Gros, je vais pas risquer ma vie pour un bout de tissu et deux bouts de bois. Hein. Eh, surtout que j'ai pas sauvegardé depuis un moment. Je vous assure. Ça fait quand même 2 heures que je joue, là. Donc, on va éviter de faire les fous, tu vois. Trop de pression, vous voyez? Trop de pression. Mais cette île va me rendre dingue! Non, 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 les mecs. Moi, je risque pas ma vie comme ça, hein. J'ai galéré pour arriver jusqu'ici déjà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer au radeau. Bon, écoutez les mecs, on va se laisser là. Nous voilà repartis à l'aventure en tout cas. Mais vers quelle direction allons-nous nous diriger la prochaine fois? Eh bien, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas bien, bien fait le tour. Peut-être qu'il y a eu des épaves, vous voyez, des fois il y a des bulles ou quoi, il y a des épaves que j'ai pas osé aller visiter parce qu'il y a des requins ou quoi. Donc va très certainement falloir voir ça dans le prochain épisode avant de s'en aller vers une autre destination. Mais on verra ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire, tout ça, tout ça. Nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde! Ah, et on n'a toujours pas retrouvé Marie-Madeleine. Bientôt. Ciao là, comment dire.